Les amis, bonjour, bonjour, bonjour. Et ouais, là, vous voyez ce qu'il y a devant un peu là. Là, il y a deux missiles de chez JBL qui sont prêts à s'affronter. Et du coup, donc là, en fait, j'ai choisi de comparer la JBL TI-5000 avec la S412P. Car déjà, on a les deux haut-parleurs là, c'est 2,30 cm. Donc déjà, on est plus dans un duel qui est légitime. Après, on a les deux haut-parleurs de médium de la TI-5000 qui sont en fait, ils sont à la même fréquence de coupure. Par contre, ceux de la S412P, donc on a le bas médium et le haut médium. Donc voilà, c'est la seule différence. Après, on a le Twitter en titane là sur la TI-5000 et le Twitter que je dise pas de conneries, je crois qu'il est en titane aussi sur la S412P. Donc là, on va se faire une petite écoute sur un petit son de Joe Francis. Et je vais vous montrer sur quoi, bien évidemment, sur le système avec le. Donc là, c'est le Pioneer C73 en préampli. Avec, comme d'habitude, hein, je ne vais pas vous le remontrer, le Luxman M383. Donc c'est parti, on écoute ça. Et là, c'est en premier. Donc là, ça va être les S412P. Qui vont tourner, c'est parti. Let's fall in love. Why shouldn't Ce qui me saute aux oreilles, c'est la précision et l'image sonore des JBL TI-5000 que je trouve plus ouverte. Voilà, après, c'est
Après, voilà, là, c'est wow, c'est quelque chose. Il y a vraiment matière avec les TI-5000. Donc là, ouais, sur cette écoute-là, vraiment, je préfère les TI-5000. Et j'ai envie de vous dire, je ne veux pas vous décevoir, mais même d'ordre général, sur la plupart des musiques que j'ai écoutées, je préfère les TI-5000, voilà, qui sont après aussi, ce sont des enceintes haut de gamme de chez JBL. Faut pas l'oublier. Donc voilà les amis, je voulais vous dire aussi que je vais peut-être essayer de faire un petit essai avec mon préamplitube Audio Research. On essaiera ça un petit peu plus tard. Voilà.